Les compos, Philippe, est-ce qu'on va s'attendre à un match où les deux équipes vont vouloir laisser le ballon à l'adversaire pour pouvoir repartir en la fenêtre de tir. Camara qui allonge cette fois-ci, et ça c'est un dégagement qui peut prêter à conséquence aussi, sans difficulté sur leur propre coup de pied de but depuis le début du match. Les Carolo, Mikotadze contré, c'est bien défendu une première fois par Zornofort, mais pas la deuxième fois, c'est Camara qui doit sortir. Donc on revoit cette action, Zornofort s'en sort bien la première fois, ensuite c'est le talent de Mikotadze qui fait que Camara doit sortir ce ballon. Avec sa main droite. Zarouri. Ils sont deux Carolo contre pas mal de Cerésiens, à eux de se débrouiller. Ouais, le bloc Cerésien a eu le temps de se reconvertir. Ouais, mais c'est super pas parfait de Zarouri pour Van Klimput pour l'ouverture du score. C'est quasiment une reconversion qu'on croyait rapide, qui a ralenti, mais qui finit au fond parce que Zarouri a eu un geste génial pour Jules Van Klimput. Ouais, il est à l'origine de cette action et premier but. Ce ballon est absolument fantastique. La finition, rien à dire non plus. Est-ce qu'il ne faudra pas vérifier les lignes de hors-jeu, Philippe? Peut-être. Mais ce contrôle et cette finition pour un défenseur, c'est sublime. Monsieur Botterberg ne reste pas figé le doigt sur l'oreille, donc il a l'air de reprendre la place maintenant. Peut-être que ça travaille du côté de Tubize. Mais Zarouri, il avait initié l'action. On pensait qu'il allait dégager par un petit contrôle qui lui a permis de remonter la balle. Avec les buts. Maritra, ça joue juste avec un temps d'avance. Et donc si on a un temps d'avance quelque part, c'est qu'il y a un temps de retard de l'autre. Faute de Boulanger sur Morioka. Ouais, il est en retard. Des cadeaux à gagner aussi. Pour avoir été un moment faire un tour sur le site, j'ai été surpris de voir que c'est quand même... Attention quand même à Bayo et Boulanger. Le contact. Il est dehors. Hein. Et il donne pénalty. Et il est dehors. Je vous en parlais de pénalty Boulanger. Pénalty et rouge direct. C'est même pas pour une deuxième jaune. En anglais, l'opportunité flagrante de but si le ballon est trop loin. Non, c'est avant le rectangle, donc péno, il n'y aura pas. On rappelle que c'est l'endroit où le contact se termine, voilà. Qui prévaut. Contact à l'extérieur. Enfin, contact à l'air à l'extérieur. Ce ballon est trop long. Il n'y a aucune raison de faire cette faute. Il a eu une dizaine de minutes auparavant. Alors. C'est terrible hein, pour Serein. Donc il donne coup franc. Il annule la rouge de Boulanger. Mais il donne la deuxième jaune. C'est superbement direct. Arbitré. C'est, super, c'est superbement arbitré, rien alors, à dire. Ça peut paraître loufoque, mais on est dans l'application. Van Klimput contrôle un peu long. Ouais, on monte au pressing côté Cerésien. Et là, il sort la jaune sur Carba. Bayo encore. Et Bayo pour prendre le ballon dans les pieds de Bergier. La perte de balle de Bayo va-t-elle avoir des conséquences? Parce que Mikotadze force quand même. Kayembe, il y a du monde au deuxième poteau, il y a Golizade et Van Klimput qui a frappé. Il peut prendre la responsabilité de frapper. Votre œil, si expert d'habitude, vous a trompé ici, Philippe, c'est au-dessus. Ils donnent pas mal, mais ils ne sont pas source de danger non plus. Alors qu'il y a de la taille pourtant. Hein. Il en suffira peut-être d'un, celui-ci. Bah, le danger se rapproche, mais s'il est, il ne cadre pas. Knesevic. Van Klimput. Golizade. C'est propre tout ça pour Danny Mats dans son rôle d'infiltreur. Je pense que c'est son premier ballon touché à domicile face à la T4. Et bien il l'envoie au fond. Les buteurs sont montés au jeu en cours de match. Complètement oublié. Il y a l'appel de Badji et ici complètement oublié entre Faye et Dabila. Il faut encore la mettre au fond. C'est parfaitement joué de sa part. Assiste du pied droit, s'il vous plaît, de Golizade. On l'a connu, hein, très efficace pour aller à Bruges et pour recevoir l'Union. Il faut peut-être cet aspect défensif en plus sur le flanc. Golizade, en attendant, qui fait du Golizade et Mas qui passe pas loin. Du doublé en 5 touches de balle. Alors, on connaît un Golizade, si vous lui laissez un peu d'espace sur son pied gauche. Peut faire la différence. Bon arrêt de Ditch. Et un joueur de Serein reste au sol. Monsieur Botterberg décide d'arrêter du coup un petit peu prématurément. 4-5 secondes, ce n'est rien. La fin du match. Victoire.